Salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode 12 de Need for Speed, le reboot 2015. Donc la dernière fois on s'est arrêté ici, puis à cet endroit-là. Hein, donc on enchaîne en fait, hein, tout simplement. Et on va continuer avec l'émission, on va essayer d'augmenter un petit peu notre cash price, hein, notre banque, notre réserve de thunes, dans l'optique d'acheter une quatrième bagnole. J'ai bien envie de prendre la Supra. On verra pour essayer de économiser un max pour prendre une Lamborghini. Mais bon, on n'est pas rendu, hein, pour l'instant. Donc, bah, on va faire le cinématique là avec le Amy. Hey. Nantes. Surprise. Non, 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 Travis. T'as volé la caisse de Nakai-san. Tu cherchais une base nickel, bien équilibrée. Tu l'as? Regarde. T'as volé sa caisse? Hé là, je suis pas un voleur. Nakai a vu ton travail. Et il est venu me trouver. Il est intrigué et moi je crois que je peux le convaincre de venir. Mais pour ça, il faut que tu te penches sur son meilleur projet. Sinon, je vois pas de quoi vous allez parler. Alors, voilà le marché. Il faut que t'ailles faire un tour avec pour savoir ce qu'elle a de si spécial. T'as jamais dit que tu le connaissais, Travis? Oh, 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 oh. Nakai, Obama, le Dalai Lama! Vous avez fait du bon boulot. Mais là, c'est autre chose. Celui qui n'a jamais dompté la bête restera toujours un apprenti. Tiens, va t'instruire. Moi d'abord. On se voit après, ok? Oh, il faut travailler tes réflexes! Ok, bon, on va pouvoir jouer avec la Porsche de Nakai-san, machin bidule, pour la prochaine course, je suppose. Bon, j'ai bien envie de faire un petit peu de customisation sur la Mitsubishi, déjà niveau esthétique, on va essayer de modifier un peu tout ça. Bon, on est parti. Déjà, on va modifier un petit peu tout ce qui est pare-choc, tout ça. Donc, je pense qu'on a débloqué des trucs. Après, on n'a pas énormément sur la... Ouais, achat restreint, donc là, on peut pas. Fire, on n'a pas. Il n'y a pas vraiment énormément de pièces, hein, quand même, sur la Mitsubishi, donc on peut pas modifier les ailerons. L'arrière. Les rétroviseurs, les bas de caisse, les roues, tout ça. Bah les roues, on les laisse comme ça pour l'instant. J'aime bien ES comme ça. On verra plus tard. Mais voilà, on n'a rien débloqué de nouveau. Hein. On va quand même modifier la plaque. Donc, texte. On va mettre Diablo, hein, bien sûr. Hop. L'encadrement. On va laisser comme c'était avant. Je pourrais la modifier déjà. On va mettre Bayview, hein, à l'ancienne, voilà. Pare-choc arrière, j'aime pas trop le Varis là. Varis, tip top. Après il y a un kit large sur la bagnole, mais pas non plus terrible. Hein. C'est un peu dommage, on a pas trop de modifications sur l'Evo. On va mettre celui-là comme pare-choc, je suis pas trop fan du carbone. J'avais mis pour tester un peu, mais je suis pas trop fan. Système audio, on va l'acheter, même si bon, sur l'espion on n'écoute pas de la musique, mais bon. Vite teinté, on va laisser comme ça. L'aile avant, ouais, je sais juste, ouais. Modifier ça. Pare-choc arrière, de toute façon on peut pas modifier. Capot, on a deux choix, on a pas énormément. Et ouais, ce kit large là, je l'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime pas trop. Enfin, on voit pas l'arrière, c'est dommage qu'on puisse pas faire le tour avant de l'acheter. Je suis pas trop fan, hein, moi, de ce kit là. Donc je préfère le laisser comme ça, l'Evo. On verra pour les prochaines bagnoles. Le capot, je crois que je l'ai modifié. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref. Donc voilà pour ça, ensuite on va partir dans la peinture, un peintoule. Donc on va laisser un bleu comme ça, j'aime bien, le bleu nuit comme ça, ça pas mal. On va essayer juste modifier les vinyles. Voilà, bah, j'en rajoute des trucs, hein. Je vois ce que ça donne après. Donc, c'est bien parce qu'on a aussi des vinyles des anciennes sources carbone, notamment post-street, là on a des trucs post-street, hein, là-dedans. Korn, carrément. On va être plutôt ça, la Rogue Speed, ouais, là. On va plutôt là. Ah c'est dommage, ouais, faut passer par le toit, le capot, tout ça. On va mettre un ticker là, on va le mettre en... Ah putain, si je puisse pas décaler la caméra là. Hop. De toute façon pour l'arrière, on va pas trop se recharger non plus. Les vitres, on les laisse comme ça. On va juste voir le capot. Toi, donc là j'ai mis du Spin Hunter partout, mais je crois qu'on va supprimer quelques-uns. Du coup, hop, on va faire des vinyles, mais on va en faire de l'autre côté. Il y a un truc super connard, ouais je sais, mais je vais pas le mettre. Hein. Bon, on cherche un vinyle à peu près potable. Peut-être un truc de team. Tiens, on va mettre du japonais, je sais pas trop à quoi ça correspond. Elle pète, ouais, j'aime bien moi, je trouve pas mal. Je vois pas ce vinyle là. Je vois pas où il y a le truc. Ah si, bon, de toute façon, on va supprimer ça. Pas trop en mettre non plus. Hein.
Combien le jeu? Bah écoute, moi j'ai eu à 10 euros. Instant Gaming était à 15, puis j'avais 5 euros de mon compte Instant Gaming, donc j'ai eu à 10 balles. Bah, c'est rentable, hein, si tu l'achètes à 10 euros, c'est rentable. Hein. Je trouve qu'il y avait pas mal comme ça. Bon, après le capot est un peu surchargé quand même. Capot. T'as un vocal déjà? Ouais, j'ai un Discord. Je suis sur Discord. Pas génial là, ce que j'ai fait. J'aime pas trop ça. Hop, ça on va modifier. Remplacer par un autre. Moi je peux pas changer la couleur par contre. Ouais, pas mal comme ça, je trouve. Hop! Donc, voilà, j'ai fait la modification de ma bagnole. Pour le Discord, tu tapes le point d'exclamation Discord. T'as le lien. La peinture, peut-être on va la modifier un peu aussi. Parce que ça donne en dehors du garage. Parce que là, dans le garage, en fait, elle est lumière, ça gêne un peu. On va voir ça dehors. Si c'est pas top, on modifiera la couleur. Ouais, bah ça rend pas mal quand même dehors. Ouais, je suis satisfait un peu. Ça ressemble un peu à la Mina Club. Club Los Angeles. Et un peu pareil. Dans le même style. J'aime bien. Bon, on va commencer l'épisode du coup comme ça. Enfin, on va continuer. Enfin, plutôt pas mal. Donc du coup, on est parti pour continuer l'aventure. Donc on va continuer les courses. Donc, on a Amy qui nous a harcelé parce qu'elle voulait qu'on fasse la course avec la Porsche de Nakami-san, là, machin bidule. Donc on va la faire. Alors, apparemment c'est une course difficile, donc on peut gagner 15 000. Donc on va tout de suite aller chercher l'argent. Ouais, pas mal. Peut-être la rabaisser un peu plus après. Je sais pas si elle est déjà rabaissée à fond, mais... C'est elle qui prend la Porsche, ok. Ok, c'est parti. Il y a de la fumée. Ah purée, ah, ça bug des fois là. Ah bah, nickel. Chat. La voiture a tiré tout droit. Hein. Une tournée, ça tirait tout droit. Ouais, ça a des bugs d'input. C'est-à-dire que je touche, je tape et ça veut pas. Ça veut pas répondre. Ouais, elle est nickel là, je trouve. Là. C'était beau là, il est pas mal. J'aime bien la couleur en plus. Ça, on a quand même un petit peu d'avance là. Ça va dire, parce que vu que c'est un bot, des fois, il y avait des trucs chelous. Je pense que c'est inverse là. Ouais, nickel à niveau là. Ah purée. Il a tiré par les murs. Bon, de toute façon, c'est la fin. Nickel. Bon, apparemment, c'était une course difficile. J'ai pas trop vu la difficulté là-dedans. Déjà par le tracé où j'ai fait 2-3 fails, mais sinon. La Porsche, on l'a mangée. Manger, manger, manger. Allez, niveau 33. RPZ à Gironde. Hop. 12 000, on essaie de taper. Les vaches de pièces. Ah, ça c'est les pneus. Pour modifier les pneus après. Culasse. Ah, la culasse aussi, on était qu'au niveau niveau vert, on va passer dans le violet. Je me suis bien éclaté, maintenant à ton tour. Juste un truc, on raye pas la peinture de Nakai-san. Ah, voiture de Nakai-san disponible à la boutique. On pourra l'acheter après. C'est bon. Enfin, l'acheter, ça se trouve elle est gratuite, non, pas bien. Si on récupère une Porsche gratuite, moi je suis content. Hein.
continuer les courses. Bon, je suis un peu paumé dans la ville. Pour l'instant, je la connais pas par cœur. Ah purée. Là, c'est moi. C'est n'importe quoi. Ah, il faut que je prenne la. Ok, la bagnole de Nagai-san, donc ça va, ça commence. Les courses avec les restrictions qu'on va continuer avec Restin. Pour l'instant, on va continuer avec la Evo, donc on va prendre les courses de Spike. On va se porter, même si c'est à côté. Histoire d'enchaîner un peu les courses. Un contre-la-montre. Ah, des fois ça tire tout droit. Alors là je voulais tourner et ça va tout droit. Je joue. Toujours du mal avec la conduite. Hein. Et bon sinon ça va. On va dans le ventre. Ah ça c'était un. C'était un joueur, hein, c'est un bot. Un rail et puis dès qu'on décroche du rail ça part dans tous les sens. Compliqué là pour l'instant. Hop, encore 2 CP. J'utilise très peu le prime, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Limite, mais ça sert à rien. Bon. 50 fois par un taux de pivot en sujet, ok. Débloquer un succès. Mimi, un missile, ouais. Bon, voilà, encore de la thune. Ah, défi quotidien débloqué, nouveau classement mensuel. Bon, là, je pense qu'on a fait la collecte d'XP de thunes, c'est nickel. Débloquer une mission avec les hors-la-loi là, la flamme rouge. Fais gaffe. Ah, et en dessous, on a des photos et un domaine de s'affaire, on va le faire. C'est vrai que ce passage là, je suis pas vraiment y aller.
la dernière fois que j'étais en freeride. Hop, on va faire la photo. Elle donne ça en dessous. Est-ce que je pourrais le faire? J'ai vu, c'est une 4 roues. Ah non, ça marche. Je dois être en 4 roues. Ok, ça marche. Et ok, bon. On va descendre la colline là. Quand je fais une chute d'FPS que ça tire le bois. En plus c'est une course facile. Donc parcours de drift en groupe, donc ouais, il faut pas les lâcher, sinon on marque pas de points. Ça va être un peu compliqué hein, vu que la bagnole est à fond là. Ah. Il y a des joueurs là. Non. Débit 3 max. Ah mais ça pousse là. J'ai d'attendre quoi. Oh putain. Vas-y mais c'est merdique. Putain. Bon, de toute façon j'ai déjà atteint la ligne de points. Ce team caca. Putain. On rentre dedans. Par contre, on va pas leur score à eux. Bottes.
bourre, hein. Bon, en plus, avec 2000, je suis pas allé loin, donc ça sert à rien. Ah bon, c'est toujours cette prix, mais bon. Quand on voit qu'on a fait 12 000 la course précédente. Bon, la prochaine mission, elle est là. Ça, c'est pas trop loin. La montre. D'accueil, enfin l'écran de l'attente là sur le live. Allez, on fait encore cette course là, puis j'arrêterai ici pour l'épisode 12, qui est déjà assez long, je pense. Range dans la zone rouge. Magnus, carrément. Ça tire tout droit. Ah, niveau 34, ok. Si on gagne, Arbacam. Pépère, hein. Bon, désolé, là, je parle pas des masses hein, sur cette vidéo. Plutôt concentré sur la conduite, même s'il y a plus des erreurs. C'est pas très vite hein, mais bon, il crash cam. Bon là je vais vraiment le temps hein. Je pense combien le CP, là c'est dernier. Bon, 40 secondes d'avance. Hop. Nouveau record personnel extraterrestre. C'est bon.
Allez, retrouve-moi au Longhorn dès que possible. On a du lourd au programme. A plus, mec. Bon, ben ça dit, ça va s'achever l'épisode 12. Merci d'avoir suivi le l'épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, c'est Diablo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait sur YouTube. Je vous dis à plus tard, c'est Diablo, ciao.